Alors, bonjour, bienvenue à ce 10e épisode de Tricoté Serré. 10! J'ai vérifié cette fois-ci. Moi, c'est Geneviève. Geneviève.versapin sur Instagram, versapin sur Ravelry, versapin.com pour mon blog. Je suis la moitié de Tricoté Serré. On vous fait une version longue distance encore une fois aujourd'hui. Je suis déjà à bout de souffle. Ça fait longtemps que j'ai fait mon setup, là, puis je me suis reposée avant de faire l'épisode, puis je suis à bout de souffle. Je suis enceinte de 38 semaines, prête à exploser. Donc, on vous présente un épisode longue distance, encore une fois aujourd'hui, puis moi j'enregistre ma partie en premier, je l'envoie à Marina, puis elle va enregistrer sa partie demain ou après-demain, je pense. Puis idéalement, je finis le montage avant la fin de la semaine pour être certaine de le sortir avant d'accoucher. Ouf, ça va être... Je suis désolée si ça va être essoufflant, mais écoutez, je réalise pas à quel point je suis à bout de souffle, je pense. Il y a plus de place pour mes poumons là-dedans. Alors, je commence l'épisode tout habillée. Alors, voici mon kit. Le kit rêvé, dont j'avais rêvé la dernière fois, qui a abouti. Alors, ça nous permet de plonger directement. Est-ce qu'on plonge ou je voulais vous jaser un peu? Plongeons, je vous jaserai en chemin. Alors, je porte des objets terminés. Un Oslo, qui n'est pas encore cousu, que je dois coudre. J'essaye un nouveau tracking sur ma caméra parce que je trouvais que les dernières fois, il faisait beaucoup le focus derrière moi, j'aimais pas ça. Fait que ça me mélange parce que je le vois me tracker, mais normalement ça devrait aider le focus. Donc, Oslo, ici j'ai un châle qui s'appelle le Songbird de Shannon Cook. Je vais vous les présenter après, mais je vais me dégrayer. Peut-être ça va m'aider à mieux respirer. Et puis, je porte ça avec un manteau opium que je me suis cousu de Dirando et qui fait sur ma très grosse bédaine encore, mais qui va être parfait pour quand je serai plus enceinte. Opium avec une belle doublure bleu foncé, satinée. Voilà. Opium peut se... On n'est pas obligé de le porter avec un lien. Ça peut être juste deux boutons pour vraiment avoir la forme trapèze. Mais c'est sûr que autant enceinte, j'aime mieux souligner ma taille un petit peu. J'ai pas fait les passants pour la ceinture parce que j'ai pas encore décidé comment je vais le porter une fois plus enceinte. Fait que pour l'instant, la ceinture, elle est lousse. Voilà! Alors, je me dégraille. Ça, on va pouvoir se parler. Alors... Me revoilà. Alors, ce que je portais, c'était donc une tuque Oslo, qui est la même que celle que j'avais faite pour mon père, en Sweet Georgia Tough Love Sock. Coloris Deep Cove. C'est vraiment un super beau... Oh. Je pense que c'est pas pire pour le focus. Faut juste comme que je me cache. Super beau bleu, vert, turquoise. Magnifique. Tout ce qui me reste à faire, c'est à la coudre. Je suis juste pas encore certaine que la Oslo, c'est la bonne tuque pour moi. Je suis comme pas habituée à cette shape-là sur moi. Elle me va assez bien, mais j'ai l'impression qu'une tuque comme la Kobuk me tomberait mieux. Je trouve que le rim sur moi, c'est un peu gros de la Oslo. Mais deux possibilités. Je vais la coudre, je vais la porter. Soit je vais m'habituer, ou soit je vais la donner à André. Puis on l'a essayé sur lui, ça lui va bien. Fait qu'il va être content si c'est ça. Sinon, je pense que je vais lui en faire une éventuellement, parce que ça lui va vraiment bien. Alors, parfait pour la Oslo. Elle va le trouver preneur. Et avec ça, avec ce beau bleu vert, j'avais imaginé un châle en la bien-aimée. Je me souviens plus du nom du coloris. Je vais l'écrire en bas. Mais c'est un super beau gris avec du menthe. C'était tellement le fun à tricoter parce que
J'ai l'impression que je tricote beaucoup plus, puis je pense que on est tous un peu là-dedans, là, on tricote beaucoup plus des solides, des bons unis pour se faire des vêtements très portables qu'on va porter tout le temps, c'est parfait comme ça. Mais ça m'a fait du bien de faire un châle avec une laine aussi variée. C'était très agréable de voir passer les variances de couleurs pendant que je tricotais. Ça a fait du bien. Parce que c'est magnifique cette laine-là, là, mais magnifique. C'est gris avec, c'est ça, avec menthe, mais il y a beaucoup de variances de couleurs. Il y a du vert fluo qui passe des fois. Il y a du noir qui passe. Il y a du bleu foncé. Regardez ici, là, comme une palette de couleurs. Vraiment très agréable à tricoter. Alors, ce châle, c'est le Songbird de Shannon Cook. C'est une forme triangulaire asymétrique. Voilà. Il y a une bordure en picot. Et il y a des pompons. Mon premier châle à pompons. J'adore ça. Et c'est un super projet. C'est super agréable à tricoter. C'est fait pour la worsted. Moi, j'ai tricoté deux bien-aimés single fingering ensemble. Je crois que ça me fait un châle un tout petit peu plus petit que le modèle, peut-être. Mon gadget est un tout petit peu plus petit, mais c'est vraiment parfait, là. Il fait un tour et demi. C'est la parfaite dimension. Oh, ça sent bon, la bien-aimée. Puis, on a comme... On part d'ici. Tricote des sections, donc une alternance de points mousse, de rayures au point mousse et jersey, de deux points texturés différents avec des mailles jetées sur plusieurs rangs. Excusez, on vient de me déposer mon publisac, il faut vraiment que j'arrête de recevoir ça. Anyway. Voilà. Fait que c'est super agréable à tricoter. Ça va s'installer assez vite parce que c'est un gauge de worsted. Je l'adore! Donc le Songbird de Shannon Cook. Un petit châle, fait que ça, il y a comme de la place pour se faire un tour, puis aussi il nous reste une patte pour faire un autre tour. Fait que c'est parfait. Super agréable à porter. Je suis vraiment contente de mon association Laine Projet. Contente que la laine de Marina ait trouvé preneur, que j'ai pu en profiter. Voilà. Yum! Parce que pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était un achat de Marina, cette laine-là. Puis finalement, c'était pas pour elle quand elle a fait l'échantillon. Elle s'est rendue compte que c'était pas vraiment ses couleurs. Elle l'avait mis en distache sur Instagram, puis je l'ai attrapée le plus vite que j'ai pu parce que. C'est si beau. Voilà. Alors, deux projets terminés. Est-ce que j'ai un autre projet terminé? J'ai deux petits projets bébés terminés. Oh, trois projets bébés terminés. J'ai un projet qui est presque terminé. C'est un projet que vous aviez déjà vu. Que j'avais abandonné parce que c'était plus vraiment la saison pour ce projet-là. Puis là, ils m'ont retenté. Parce que le printemps s'en vient. Ça paraît pas, mais dans mon cœur, il s'en vient. C'est le Eventide Cardigan de Anna Fettig, de son livre Texture. Encore une fois, en la bien-aimée. J'en tricote pas souvent de la bien-aimée, ça donne que... c'était un cadeau que maman m'avait fait à Twist. Donc c'était de la laine à bas. De la bien-aimée, leur Mary Sock. Et puis c'était le coloris Damasque, qui est un super, super beau rose. Alors, c'est un cardigan. Le livre Texture d'Anna Fettig, je sais pas pourquoi, ça donne que tous les modèles sont tricotés à plat. Je sais pas si c'était une demande de l'éditeur ou c'est une technique qu'elle aime, mais c'est ça, faut le savoir, là, mais les modèles sont tricotés à plat. Puis moi, ça ne me tentait pas. J'ai rien contre les coutures,
J'en parlais avec qui? Avec Paul. Ça peut solidifier un tricot. Ça peut être agréable de faire des pièces séparées puis de les mettre ensemble. Ça rythme le tricot de façon différente. Ça fait des belles emmanchures aussi quand on coud la manche dans l'emmanchure au lieu de relever des mailles. Des fois, c'est peut-être plus beau. La couture, il y a peut-être moins de trous que quand on relève des mailles. Il y a plein de pour. Sauf que moi, ça ne tentait pas dans un petit cardigan en fingering. Fait que je l'ai adapté pour le faire en rond. Fait que dans le fond, j'ai pas de couture sur le côté. J'ai fait toutes mes pièces ensemble. Puis j'ai fait mes manches dans le sens inverse. Elle les fait de bas en haut. Moi, je les ai faites de haut en bas. En relevant mes mailles tout autour de l'emmanchure. Puis comment j'ai fait ça? Pour calculer mes rangs raccourcis de l'emmanchure pour shaper l'épaule, j'ai volé une manche. J'avais le patron du pull champagne de Marie-Amélie. Je l'avais dans ma bibliothèque. Fait que je suis allée voir, puis avec le nom, mon compte de maille, c'était bon. Il y avait une manche là-dedans qui correspondait à la manche que je voulais faire dans ce cardigan-là, avec le même nombre de mailles, ou presque. Fait que j'ai vraiment volé le calcul des rangs raccourcis de ce chandail-là en insérant le motif du Eventide, la texture, le point texturé du Eventide. Ça a super bien été. Voilà. Pourquoi il est presque terminé et pas terminé? C'est que... alors, je sais pas, on le voit peut-être pas bien, là, je vais me reculer un petit peu. Alors, le Eventide, c'est un petit cardigan en fingering très léger avec un point texturé vraiment facile à retenir et qui lui fait une belle... Tu sais, c'est une belle texture. Le livre s'appelle Texture, c'est ça le point. J'ai fait des manches 3 quarts. Je l'adore pour elle. Il me reste à rentrer les fils puis à le bloquer. Et puis, il y a un beau col châle. Ben, châle. Un col replié. Comme ça. Qui vient ici. Et mon problème, c'est le bind-off du col. Elle dit juste de bind-off dans le... Un bind-off normal. Il a l'air pas si pire quand je vous le montre, là, mais quand je le porte sur moi, je trouve que le bind-off est trop serré. Fait qu'il faut juste que je me botte le derrière, aujourd'hui ou demain, de défaire le bind-off, puis d'en refaire un autre genre. J'ai pas coupé mon fil au bout, là, parce que je m'en doutais que mon bind-off était trop serré. Fait que je peux tout le défaire, puis en refaire un qui va prendre plus de fil. Sur les manches, j'ai fait un Icelandic bind-off, que j'aime beaucoup parce que c'est assez décoratif, puis c'est assez flexible. Je pense que je vais faire la même chose sur le col, mais que je vais augmenter de taille d'aiguille. J'ai tricoté en 3,75. Le col est en 3,25, mais elle dit de reprendre les 3,75 pour le bind-off. Je pense que je vais faire mon bind-off en 4. Peut-être en 4,5 si je peux me le permettre, puis que ça n'a pas l'air fou. Juste pour être sûre, parce que si c'est trop serré, c'est dans le cou ici, ça tire, puis le col, il veut comme pas se replier de la bonne façon. Mais à part de ça, il est fini. Il est tellement beau. La laine est tellement belle, la couleur. Ça va être un super beau petit cardigan léger. Et j'ai un tissu qui va avec. Je suis encore dans ma phase de matcher mes projets tricot à mes projets couture. Alors, je porte une Hinterland de... Pardon, c'est un cintre qui vient de foutre le camp. Une Hinterland de So Liberated. Et je pense que je vais m'en faire une autre dans ce tissu-ci, qui est un lin beige, camel. Voilà. Puis je pense que les deux ensemble vont bien s'entendre. Voilà. Je les vois ensemble et ça m'a motivée. Je pense que c'est ça qui m'a motivée à reprendre mon tricot. Il me restait les manches à faire, j'avais abandonné après les coutures d'épaule. Je pense que c'est ça qui m'a motivée à le reprendre. C'est que je vois les deux ensemble. Et que ça va être doux et printanier. Voilà pour ça. André est à la maison, fait que je peux me permettre de mettre des choses par terre parce qu'il y a quelqu'un qui va venir m'aider à les ramasser après.
Après ça, mes projets finis, bébé. Alors, projet fini, bébé. J'ai fait un petit... Oh, quelque chose que vous avez vu la dernière fois. C'est son petit chandail funky. Ça n'a pas pris le temps de le terminer, là. Alors, petit chandail funky, c'est un flax light de Tin Canit. Tricoté en Knitting It Up, qui était un club des Césos. Que je trouvais trop chamoiré pour un projet pour moi. J'avais défait, parce qu'il faisait beaucoup de pooling. Et là, je l'ai tricoté en alternant les écheveaux. Il y a quand même beaucoup de pooling, mais ça passe. Et je pense qu'avec un petit pantalon bleu, un petit pantalon en jersey bleu, j'en ai un pantalon à pattes, que j'ai fait, il va être beau comme un cœur. Puis c'est parfait ça, parce que honnêtement, ça, il est tout petit. Je l'ai fait un petit peu plus petit que la version la plus petite, je pense. Juste parce que mon gauge est plus serré. Là-dessus, j'ai descendu de taille d'aiguille parce que je voulais vraiment un petit chandail qui pourrait porter naissance. Vu qu'il naît au début mars, j'ai comme besoin de chandail pour lui en mars qui vont le tenir chaud. Mais même à ça, je pense que... ça va pouvoir le tenir un petit bout de temps, puisque tu sais, c'est pas grave si les manches deviennent un peu petites, le corps est assez long. On verra. On verra, c'est mon premier bébé, fait que j'ai pas énormément d'expérience. Puis comme ça se tricote en 2 secondes et quart, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je lui ai tricoté un petit bonnet de lutin. C'est difficile à montrer. Un petit bonnet de lutin. Dans mes restants de laine de son teddy bear sweater. Fait que c'est une lace et une fingering mis ensemble. Lace brune de chez Arfil et une... Non. Fingering brune de chez Arfil et une lace rose Urso. J'aime beaucoup ça. Le modèle, c'est le béguin Pierre-Louise de Atelier Émilie. Alors c'est vraiment mignon. Il y a des petites nopes. J'avais jamais fait de nopes. Je pense que ma technique les fait pas ressortir particulièrement particulièrement bien. C'est celle qu'elle propose dans le patron. Je pense qu'il y a des façons de faire pour que les nopes ressortent plus. Moi ça me convenait pour une première fois vraiment, hein. Puis ça va être... C'est ça. C'est sa tuque de lutin. Je pense qu'il va... Il risque d'être mignon. Dedans. Voilà. Ok. Le troisième objet fini pour bébé. C'est un aveu de ma part. Puis là, je vous dis ça, là. Puis Marina, elle le sait pas. Puis elle va regarder ça. C'est quelque chose que... C'est un grand aveu. J'ai hésité. Oh, pardon. C'est un grand aveu. J'ai hésité à le présenter. Parce que je me sens mal. C'est quelque chose que j'avais tricoté pour Tabea. Et que je lui ai jamais donné. Ne m'en veux pas, Marina. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose en moi. Je le tricotais, là, puis... Et comme tous les éléments se sont rassemblés pour que je le finisse trop tard, Tabea était rendue trop grande pour ce chandail-là, je pense. Je pense que c'est mon corps qui bloquait, parce que je l'aimais tellement que je voulais le garder. Fait que j'arrivais pas à le finir. Puis là, quand je l'ai fini, je me suis dit, mais c'est niaiseux de lui donner, il est trop grande pour ce cardigan-là maintenant. Puis pour vrai, je pense que ça lui aurait fait. Là. Est-ce que tu me pardonnes, Marina? Ça va faire mon petit garçon. Ok, je vous le montre. Il est vraiment beau. Alors, c'est le cardigan My Dear Watson de Nadia Créteil-Léchaîne. Je me sens mal d'en parler. J'ai tricoté l'an dernier pour Tabea, puis j'ai jamais donné.
m'excuse. Oh, mais je l'aimais tellement. Puis là, j'avais l'impression qu'il était rendu... En tout cas, je sais pas, j'ai aucune excuse. Est-ce que t'es toujours mon ami? Voilà. Alors, c'est une laine que j'avais achetée en voyage l'été passé, quand on était passé par Paris. Il y a une belle boutique qui s'appelle Little Weasel. Puis c'est une laine longue, je crois, qui est un mélange du coton, il y a de la soie, de la viscose. C'est très doux pour les bébés. Ah, le point du My Dear Watson est tellement beau. Puis j'avais acheté des petits boutons pour aller avec. Je pense que c'est justement autant d'amour avec les boutons qu'avec le cardigan. Ça sera pas long. Je vais sortir. J'avais acheté ces petits boutons-là pour aller avec. Ça fait le focus, je ne sais pas. Fait que... Oui, ta bière était magnifique là-dedans. Pour mon petit garçon. Alors, j'ai ces petits boutons-là qu'il faut que je pose. Je pense que c'est ça, il me restait comme à poser les boutons, puis je le faisais jamais. En dessous, c'est un petit pyjama que je lui ai fait. Pyjama à pattes. Un patron de Brindle & Twig. Un jersey Elva Licorne. Design. Ah, c'est bon. Ok. Un gros aveu, j'ai jamais dit. D'accord. Projet en cours. En cours. J'ai un tout petit en cours. Faut que je finisse mon bind-off de mon cardigan rose puis que je le bloque. Fait que je me suis comme pas permis de commencer un autre gros encours avant de faire ça. Je serais sûre que je l'abandonne pas à nouveau. Faut vraiment juste que je refasse le bind-off. C'est comme 200 quelques mailles, faut se motiver. 300 mailles, je sais pas. Mais quand même, pour me changer les idées, j'ai fait un autre tricot bébé. J'ai mis un autre tricot bébé sur mes aiguilles. C'est possiblement le morceau le plus petit que je vais jamais lui tricoter. Parce que ça a pas vraiment de sens d'en faire plus qu'un morceau comme ça. C'est vraiment pour sa sortie d'hôpital. C'est vraiment pour quand il est mini-mini. Dans ses 3 premières semaines. Parce qu'après ça, ça lui fera plus. C'est de Petite Knit. Le Ellen's Coming Home Set. C'est le cardigan de ça. Alors, c'est tout mini. Vraiment, là, il sera jamais plus petit que ça, je peux pas croire. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Il y a 6 boutons qui vont ici, là, sur la bordure. Ça fait comme un petit peu un wrap. C'est parfait pour un bébé naissant. Il nous manque juste une manche. Et je vais faire tantôt. Et ça se tricote en 2 secondes et quart. C'est tellement mignon. Puis je l'ai faite dans une laine. Une laine que j'avais depuis super longtemps. C'est de la Knit Pix Sport. C'est de la soie et du coton. Fait que c'est doux, doux, doux. La couleur, je la trouve très mignonne. C'est un petit vert super doux. Fait que j'avais ça dans mon stock depuis longtemps. Et voilà. Je tricote pas mal de petites knits ces temps-ci parce que ces tricots bébés sont magnifiques. Puis, mon seul enjeu, c'est vraiment les échantillons. Je tombe rarement sur les bons échantillons. Ces échantillons sont mystérieux pour moi. Parce que ça, c'est pour de la déca, normalement. Et puis l'échantillon, c'était comme 23 mailles, ce qui est un échantillon de fingering, souvent, pour moi. Fait que je m'en suis sortie avec de la sport au lieu de la déca. Puis, j'ai descendu d'une taille d'aiguille. Je suis arrivée sur le bon échantillon. Mais tu sais, pour des tricots bébés, c'est pas très grave. Là, je vais prendre dans la taille où ils viennent. Mais celui-là, je voulais vraiment que ça soit celui pour la sortie de l'hôpital. Je vais faire un petit pyjama à pattes pour aller en dessous. Naissance, puis... Ça, je ferai rien d'autre d'aussi petit que ça. Voilà, fait que ça va être fini tantôt. Après ça, quand je vais avoir...
fini mon bind-off sur le cardigan rose. Je vais pouvoir me permettre de faire un... de me lancer dans un autre projet pour moi. Mon but, ça serait d'être... J'hésite entre deux projets. Parce que... je pense qu'avec un bébé naissant, il y a moyen d'avoir du temps de tricot. Surtout autour de l'allaitement. Mais qu'il n'y a pas beaucoup de cerveau qui accompagne ça. Et ça prend un projet assez simple. Techniquement, idéalement, dans le meilleur des mondes, il me reste 2 semaines. On aimerait vraiment ça qu'il naisse à terme. Parce que... c'est ça. Juste pour des raisons d'organisation, d'horaire professionnel pour André. Fait que techniquement, il me reste 2 semaines. Fait que j'aurais le temps de me partir un projet puis qu'il soit assez avancé pour que je sache où je m'en vais avec mes skis, même en manque de sommeil. Alors, c'est probablement ce qui fait que je vais lancer ce projet-ci. Je pense. C'est mon option préférée. C'est donc des super belles laines Urso mouton que j'avais achetées l'an dernier quand elle a fait un trunk show à la maison tricotée. Oh, j'ai oublié un encours! J'ai oublié un encours, je vais vous en parler tout de suite après. Alors, Urso Mouton, celle-ci c'est sa couleur sage, The Famous. Mais sur, je sais pas si c'est dans ce bain de teinture ou si c'est sur la mouton, il y a beaucoup de nuances de couleurs, il y a beaucoup plus de rose que dans d'autres échevaux de sage que j'ai vu. Il y a toujours du rose dans sage, mais ça ressort, c'est super beau sur la... Sur la mouton, celui-là, il y en a un peu moins. Et je pense qu'il va falloir que je sois juste un peu intelligente dans ma façon de distribuer les échevaux dans mon tricot. Ça ici, c'est la couleur pleurote. Magnifique blanc, blanc cassé avec un peu de rose. Magnifique. Et ça, c'est Souvenir Light. Je pense que c'était une batch de souvenirs qui était un peu différente. Encore avec des belles nuances. Alors tout ça, ça va devenir un Nordiska de Caitlin Hunter. Pas mal convaincue de mon affaire. Puis ça va être pour porter avec cette robe-ci. J'avais fait un post sur Instagram là-dessus, puis j'avais eu beaucoup de gens qui me disaient « Oui, oui, ça fonctionne! » Alors ça, c'est une hinterland qui n'est pas adaptée pour maternité. C'est juste que je l'ai faite pour qu'elle me fasse. Mais j'ai pas... Si je l'avais adaptée pour maternité, j'aurais remonté la taille. J'ai fait la taille normale. Fait que... Voilà. Elle arrive sur ma bédaine pour l'instant, mais elle va être parfaite pour après. Puis ça, ça va être un petit crop. Donc un chandail crop... Le Nordiska, c'est crop. Pour aller par-dessus, ça va être super beau. Je pense. Je pense que c'est un combo qui va me plaire. Et puis, ce projet-là, je l'avais acheté l'an dernier à la même période. Je pense que c'était en février, son trunk show. Fait que je veux le faire maintenant parce que je sais que c'est un projet parfait pour quand on espère le printemps, mais qui n'est pas encore là. Fin de l'hiver, quand on rêve à notre futur jardin puis au retour du printemps, mais qu'il fait encore assez froid pour tricoter de la mouton. Okay, voilà. Je pense que c'est ça qui va aller sur mes aiguilles. Oui. Quand je vous en parle, là, je réalise que c'est ça qui gagne la palme, mais je vais quand même vous parler de mon autre projet qui me tentait. On recule dans le temps. On retourne aux encours. J'en ai oublié un. Pourtant, il est assez massif, mais j'ai oublié. Alors, sur un coup de tête, j'ai monté le gilet Carvi de Marie-Amélie Design. C'est un projet qui me tentait depuis longtemps. J'adore le yoke du Carvi avec les mailles glissées comme ça. Là. Puis le fait qu'il soit en point de blé. Point de blé, je pense. Quand il y a 2 rangs pareils. C'était un coup de tête parce que c'était de la laine que j'avais pas.
Puis je m'étais un peu promis avec Marina, on s'était promis un genre de no-buy. Puis là, je l'ai commandé sur Espace Tricot. Je me suis fait me payer les frais de port pour m'en faire livrer. Je ne suis même pas allée la chercher. C'était un coup de tête, mais c'est ça. C'est en Gilliatt de Dererum Natura. Le coloris, c'est poivre et sel. Puis ce qui arrive, c'est juste que j'ai manqué de laine. J'ai manqué de laine, puis il n'y en avait plus de poivre et sel après. Et que j'attendais qu'ils reçoivent une livraison, soit Espace Tricot ou la Maison Tricotée. Espace Tricot a gagné la course, ils en ont reçu. Et que j'ai un rendez-vous à Montréal cette semaine, je vais aller chercher mon dernier écheveau. C'est un super beau projet, le Carvi, hein, ça se fait tout seul. Le point est super agréable, il y a une maille glissée aussi sur le côté ici, c'est super joli. Est-ce qu'il y en a une en dessous du bras? Oui, il y en a une en dessous du bras aussi. Le yoke est super agréable à faire, très facile. Puis vraiment, ça fait une... C'est ça. Je trouve vraiment que le yoke est très flatteur, il est très beau quand il est sur soi. La seule chose, et là je pense que c'est une différence de morphologie entre moi et Marie-Amélie, parce que c'est pas la première fois que je fais ces patrons. Puis il me semble qu'il y en a beaucoup d'autres qui me tentent, mais quand je regarde les photos, j'ai l'impression que c'est la même affaire dans plusieurs de ces modèles. C'est qu'elle ne fait pas de shaping au cou en arrière. Vraiment, le yoke, là, il est commencé. Puis tu sais, ça arrive dans beaucoup de modèles, on va faire quelques rangs raccourcis à l'arrière pour se rajouter un peu de matière dans le cou à l'arrière pour que ça remonte dans le cou. C'est fait pour ceux qui ont un bon bump en arrière. On peut en faire plus ou moins selon notre shape. Puis moi, j'ai quand même un... C'est ça, j'ai un bon... J'ai un bon cou en arrière. Et que j'ai besoin qu'il y ait plus de matière pour être confortable pour que mes gilets m'arrivent au roll-cou en arrière puis que ça tombe pas dans le dos. Je sais pas si on se comprend. Le auto que je porte, il y a un shaping dans le cou en arrière. Le que j'avais beaucoup aimé, c'était le shaping du Wool & Honey. Ça met un bon pouce et demi en arrière de plus. Bon, il n'y a pas ça dans le Carvi. Puis avoir su, je l'aurais rajouté. Je vais faire pause parce que je pense que ma livraison de propane est arrivée. La journée des livraisons. Peut-être qu'il est capable de se débrouiller tout seul. C'est pas besoin de moi. Fait que oui, c'est ça. Il n'y a pas de shaping en arrière, fait qu'il me tombe un petit peu en arrière dans le cou. Et puis ça m'énerve. Déjà, je l'ai pas porté encore, je sais que ça va m'énerver. Ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'avais vu dans un autre podcast. Quelqu'un qui avait donné cette idée-là. C'est que je vais venir faire un rang, une chaînette au crochet. Le long du cou en arrière, puis vers l'avant, là, vers la moitié de l'avant, je pense. En attrapant comme une maille sur deux, puis en resserrant. Puis j'en ai resserré l'encolure. Je pense que ça serait ma meilleure solution. Maintenant qu'il est fait, puis que je peux pas retourner faire des rangs raccourcis. Je pense que oui, c'est ça. Je vais venir faire quelque chose qui va resserrer le col avant de le bloquer. Comme ça, ça va donner une chance de bien me couvrir en haut, puis de pas glisser, puis tomber. Et surtout que c'est un yoke, puis tout ça, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de structure ici, fait qu'il y a envie de partir. Voilà. Alors, je vais aller récupérer mon écheveau cette semaine. Ben, mon écheveau, ma pelote de poivre et sel, Gilliatt, puis je vais pouvoir le finir. Puis pourquoi c'était un coup de tête, c'est parce que j'étais en train de me coudre cette robe-là, puis je les ai vues ensemble. Again. Again. Voilà. Mais je suis très, très contente du projet, puis c'était pas un achat de fou, là. La Gilliatt est très abordable. Blâme mes hormones. Je fais ça souvent ces temps-ci pour les achats impulsifs. Blâme mes hormones. André est parti gérer la livraison de propane. On devrait être good. Je pense que le monsieur est vraiment capable de faire ça tout seul. C'est juste la première fois qu'on se fait livrer du propane. Fait qu'on est aux aguets. OK.
Donc, je continue dans mes prochains projets, maintenant que j'ai fait un petit détour par le Caravi. Oh, le Caravi aussi, quelque chose... Les côtes sont vraiment intéressantes, la façon qu'elle fait les côtes. Une belle touche. Je vais vous montrer. La texture, je m'en souviens plus maintenant que j'ai plus le patron sous le nez, puis comme ça... C'est faux, c'est à la personne qui l'achète d'aller voir, là, mais... Il y a comme un... Un genre de poignerie à l'intérieur des côtes, je trouve ça vraiment joli. Et puis j'ai fait un Icelandic bind-off en bas, puis dans du worsted, vraiment, là, c'est un super beau bind-off. Enfin, c'est comme ça remplit la tresse que ça crée, là. Très beau. Prochain projet, donc, il y a le Nordiska. J'ai deux projets bébés. Et puis j'ai un projet qui me tente aussi, qui pourrait être une bonne option. Alors, c'est de la super belle laine... de Chani, donc de la laine bleue poussière, de la pied bleu, qui est vraiment une base que j'adore. Je pense, je l'ai reçue avant qu'elle la nomme, parce que c'était l'été dernier quand j'avais tricoté un échantillon pour elle, pour Twist, puis je suis allée chez elle lui porter, puis elle voulait que je choisisse les échevaux que je voulais en échange d'avoir tricoté l'échantillon, fait que j'avais tout ça. Sa production de Twist devant les yeux, c'était merveilleux. Puis il y avait cette couleur-là qui m'a vraiment parlé. Je suis vraiment dans les mêmes teintes aujourd'hui. Ça, avec ma robe aussi vert d'eau, là. J'adore ça. Donc cette couleur-là m'avait beaucoup parlé, puis je crois que c'est celle qui s'est nommée Robin, finalement. Comme un Robin Blue, un peu. Je pense que c'est la même. Dans cette superbe laine, je pense que j'ai envie de me faire le Anchors My Size de Petite Knit. J'hésite, je pense la version cardigan. J'hésite entre la version chandail et la version cardigan. En même temps, j'ai juste 3 écheveaux. Et puis la pied bleu est 365 mètres par écheveau. Puis je pense pas que je pourrais en avoir un autre là, de... du même bain de teinture, du même événement. Fait que je pense qu'il faut juste que je vérifie mon métrage pour être sûre de ne pas en manquer. Juste être sûre que je fais le bon projet pour 3 échevaux. J'aurais dû en prendre 4. J'aurais dû en prendre 4. J'ai de la misère ces temps-ci à avoir les bonnes quantités de laine, puis je m'en veux après. Mais ces temps-ci, c'était l'été passé, là, j'aurais dû en prendre 4. C'est pas grave. Je vais trouver un projet où je vais être sûre de ne pas en manquer. Mais si ça fonctionne, le Anchors My Size me tente beaucoup. J'aime beaucoup le yoke du Anchors. Je vais vérifier qu'il y a assez de matière en arrière aussi. Sinon, je vais l'adapter. Et voilà. Ça, c'est pour moi. Fait que pour moi, j'ai le Nordiska et peut-être un cardigan. Qui sont sur les aiguilles prochainement. Je vais sûrement me partir une paire de bas aussi. Une belle auto-rayante de Scrumptious Pearl. Qui a des couleurs printanières qui me tentent de tricoter maintenant. Ça serait aussi un projet no-brainer qui serait parfait, je pense. Sinon, pour bébé, j'ai envie de faire le de petites nettes encore. Elle a vraiment des beaux tricots bébé. Hein. Son bébé est tellement cute. Tout ce qu'elle met sur Instagram ces temps-ci, c'est tellement mignon. Alors, c'est le Selma's Sleep Suit. Alors, c'est comme un suit qu'elle lui met pour aller dehors, en dessous des couvertes, dans sa poussette. Puis je pense que j'aimerais beaucoup ça pour mon garçon, pour sortir dehors. Je lui ai fait comme un swaddle d'hiver, une grosse couverte d'hiver pour lui tenir chaud en guise de manteau. Puis en dessous, je pourrais mettre ça pour quand on va se promener dans le rang ou ailleurs. Alors, je pensais, encore une fois, le gauge, il va falloir que je fasse un petit test parce que je suis vraiment pas sûre de son gauge. Elle dit que c'est pour de la hareng avec un échantillon de 19 mailles sur des aiguilles 4 mm. Pour moi, ça feel un peu comme un gauge de worsted. Fait que j'hésite. Je pensais à la tricoter dans cette laine-là, qui est une laine que j'avais teinte avec du café. C'est un DK non superwash.
quand j'avais vu Aran, je me suis dit, je vais peut-être tricoter deux fils de Dickey ensemble, voir qu'est-ce que ça fait. Là, je pense que ça va être trop gros. Fait que, est-ce que je m'essaye sur des 4 mm avec la Dickey, voir quel genre de tissu ça me fait, puis où est-ce que je tombe par rapport à l'échantillon? Je vais essayer ça. Ou sinon, ça serait de rajouter un fingering avec la Dickey, je pense. Ou sinon, ça serait de faire ça en worsted dans une autre laine. On verra ce qui va se passer. Je vous en donnerai des nouvelles. Autre projet bébé, encore petite knit. Désolée, c'est trop beau ce café. Donc j'ai un gros restant de Sweet Georgia Deep Cove. Cette couleur-là, j'en mangerais, je l'aime tellement. C'est drôle parce que quand j'en avais 4 échevaux, ça m'inspirait pas pour un projet chandail pour moi. Je sais pas pourquoi. Fait que finalement, je l'ai comme divisé en 2 Oslo, puis là j'ai un méga restant. Fouillez-moi. Maintenant, je l'adore, cette couleur-là. Maintenant que j'ai travaillé avec. Je pense faire un. J'aime beaucoup, c'est ça, j'aime beaucoup le Anchors de Petite Knit. Puis pour enfants, elle a des versions chandail, version onesie, version cache-couche. Ouais, puis je pense que ça va être la version cache-couche, le Anchors Suit. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Est-ce que j'attends que... Je sais, je vais regarder, je sais pas dans quelle taille. T'sais. Je vais peut-être attendre un petit peu. Il y a pas mal de tricots pour l'instant. Mais je pense que ça va être ça. Parce que ça va être super mignon. Voilà. Voilà pour ça. Donc, 2 en cours pour moi, 2 en cours bébé, tout va bien. 2 projets. Partie achat maintenant. C'est un achat qui date d'avant les fêtes. Mais je ne vous l'avais pas montré encore. Normalement, Marina a le même. C'est qu'on s'était commandé la boîte. Comment qu'elle s'appelait la boîte? C'était la boîte que Urso et Art Textile du Témiscouata ont fait ensemble. Je me souviens plus c'était quoi le nom du projet. Ouais, c'était une boîte mystère. Fait que là, normalement, ça fait vraiment longtemps. Fait que tout le monde là. je dévoile rien de terrible. Donc voilà ce que moi j'ai reçu. Moi j'avais choisi la plum sock d'Art Textile du Témiscouata parce que je l'avais jamais tricotée. Et c'est vraiment une belle base. Hein. Juste dans les écheveaux, je sens que je vais beaucoup l'aimer. Elle porte bien son nom. Là, ça sort. Ce que moi, je vois là, dans le retour, là, c'est un petit peu orangé. Puis c'est vraiment pas ça. C'est... quand j'ai ouvert la boîte, c'était le soir. J'avais pas d'éclairage, vraiment. Je l'ai ouvert, puis je me suis dit, oh, c'est brun. Et finalement, le lendemain matin, quand le soleil a tapé dessus, j'ai fait, oh non, OK! C'est pas brun! C'est une couleur vraiment formidable. C'est comme un... Là, ça sort un petit peu trop orangé. Là. Moi, ce que je vois, c'est un genre de sépia. Prune. Avec... Il y a du rouge dedans. Qui, je pense que ça, c'était comme la surteinture de pôle. Parce que j'ai demandé un peu l'histoire là, de comment ça s'était passé... Je pense que c'est que Christine des Arts Textiles avait fait la première teinture sur cette base-là. Après ça, elle l'avait envoyée à Paul, puis Paul l'avait surteint. Puis c'est vraiment magnifique. La couleur de base est magnifique, puis les reflets qui sont par-dessus. Il y a du mauve par-dessus, beaucoup de mauve. C'est très très beau. Puis c'est fun que ce soit une boîte mystère, parce que c'est pas nécessairement une couleur que j'aurais achetée pour moi-même. Fait que ça me sort un petit peu de ma zone de confort, et c'est tant mieux. Fait que j'en ai 4 beaux échevaux. Cette fois-ci, j'ai pas été gnouche, j'en ai pris assez. Parce que moi, mes bras sont infinis, fait que je pars tellement beaucoup de métrage dans les bras tout le temps. Là. Voilà. Très, très beau, mais j'ai aucune idée du projet encore. J'ai aucune idée. Peut-être que ça pourrait être un Anchors My Size. À voir! J'aime tellement les étiquettes d'Art Textile du Témiscouata. Vraiment beau, Christine. J'ai place dans ma bibliothèque, là, puis les petites étiquettes qui pendouillent. J'adore ça. Je crois que ça fait le tour pour moi. J'ai beaucoup de projets couture.
Mais je vais en parler dans une vidéo pour que je vais mettre sur vert sapin. Parce que c'est là que j'avais présenté les tissus qui sont associés à ces projets-là. Voilà. Fait que je pense que maintenant, parce que je suis installée, je pense que je vais filmer ça tout de suite. Fait que avec un peu de chance, les vidéos vont sortir en même temps. Fait que je mettrai des liens pour que ça se parle, pour que vous voyez ça. Des beaux projets couture. Comme je disais, un peu, juste un petit peu de jasette, là. Moi, je suis donc à 38 semaines. Tout va bien, j'ai plein d'énergie. Je fatigue aussi. Voilà, je suis dans un moment de nesting assez intense. Je suis déjà quelqu'un qui aime ça faire son lit. En plus, rajouter toute la couche hormonale par-dessus, ça fait que vraiment... vraiment, je suis un petit oiseau qui fait son nid en ce moment. Fait que je fais beaucoup de couture pour le bébé aussi. Ça sera une vidéo à venir dans plus longtemps, hein, parce que j'arriverai pas à m'organiser pour tout faire ça. On a fait sa chambre. Peut-être que je vais avoir mis des petits clips vidéo au début ou à la fin de cet épisode pour vous montrer sa chambre. J'ai construit une bibliothèque avec mon père... sur mesure pour fitter avec le toit en pente. C'est vraiment agréable de prendre le temps de faire ça. Voilà. Donc, c'est un peu des nouvelles en rafale, mais on l'attend incessamment. voilà. Je suis prête à ce qu'il arrive, mais en même temps, j'essaie de savourer les derniers moments. Parce que c'est fou comment on dialogue à ce stade de développement. J'ai l'impression qu'on se parle. J'ai l'impression que je suis dans son chemin aussi, un petit peu. J'essaie d'étirer encore plus son espace. Il n'y a plus de place. Que voilà. C'est ça pour moi. Je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir après. Je sais pas, ça va me prendre combien de temps revenir. Mais je suis super contente d'avoir pu, j'espère, sortir cette vidéo-là avant l'accouchement pour vous jaser une dernière fois. Et voilà. Au plaisir, Marina, bon enregistrement. Puis au plaisir de voir tes projets. Voilà. Ouh! Non, j'en parlerai une autre fois. Donc, à la prochaine! Bye! Allô tout le monde! Ici Marina de Tricoter Serré. Je viens tout juste de visionner la portion de Geneviève, puis ben, ça m'a donné super hâte là, de filmer la mienne. Ici, il commence à faire super beau à Vancouver, c'est vraiment doux, tellement plus clément que la température au Québec. Et pourtant, j'ai quand même des tricots qui me tiennent bien au chaud. Les derniers mois, depuis qu'on s'est vus, ça a été beaucoup de tournées dans les prairies, dans les rocheuses. Donc ça m'a donné envie de tricoter des choses un peu plus hivernales. Puis ça faisait des beaux tricots de voyage. Je suis allée... je ne sais même plus où est-ce que je suis allée. Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Canmore. Vraiment des super belles places. Puis j'étais avec les deux gars de mon trio. Puis, tu sais, on a tous nos petits hobbies respectifs, là. Jean-François adore la photographie. Puis d'ailleurs, j'ai volé sa caméra pour prendre quelques photos lors du premier voyage d'une paire de bas, puis lors du deuxième voyage de ce chandail. Fait que c'était vraiment le fun de travailler avec une super belle caméra. Puis ça m'a donné le goût de, ben, d'explorer ce rabbit hole, comme on dit. Et ouais, fait que puis Philippe, notre pianiste, il fait juste comme tout le temps s'entraîner. La première chose qu'il dit là quand il arrive à l'hôtel, where's the gym? Vraiment intense. Mais il est bien en forme. Ce qui m'amène peut-être à vous parler d'un sujet un peu controversé, mais pas tant. Pendant le temps des fêtes, juste avant de tourner là, mon épisode avec Geneviève, notre 9e épisode. J'étais assise à la maison tricotée, puis il y avait Amélie d'Emilien et Philomène qui était là, puis on a tricoté un petit peu ensemble.
Et on s'est parlé un peu, tu sais, de la culture du podcast. Puis que c'est comme... bon, elle a un podcast audio. Puis je trouve que c'est libérateur d'avoir une nouvelle formule qui est pas... qui fait pas partie des normes, qui est pas standard, parce que on peut appliquer nos règles à nos valeurs. Puis, ouais, je trouve que la culture du podcast comme une fois par mois, c'est quelque chose, tu sais, qui me convient moins bien, mais que j'aime beaucoup visionner, donc ceux qui en fait continuent à faire ça. Mais je trouve ça le fun, notre rythme de tricoter serré au, ben, 6 ou 8 semaines, qui donne un peu le temps d'avoir... ben, le temps de tricoter, mais aussi, tu sais, j'aime ça, après avoir terminé un projet, de le savourer, tu sais, je me sens pas dans l'urgence d'avoir 60 000 chandails, tu sais, puis, ouais, je trouve que mon but en janvier, ma seule résolution, c'était de tricoter moins, dit la podcasteuse tricot, right. Non, mais en fait, c'est que en tricotant moins aussi, ça crée moins de besoins. T'sais, j'ai le goût de le faire parce que je trouve ça le fun. J'ai le goût d'être satisfaite de mes projets. Fait que si ça veut dire détricoter beaucoup, ben ça veut dire détricoter beaucoup. D'être plus orientée vers le processus que, dans le fond, le projet fini. Puis je trouve ça, c'est ce que je fais dans ma carrière, là, d'être, t'sais, je suis pas mal focussée sur le processus depuis que j'ai 6 ans. Fait que je pense que maintenant que j'ai assez d'objets finis pour me tenir au chaud, je pense que c'est beaucoup plus sain, mon rapport au tricot, de cette façon. Puis ça va aussi diminuer les achats. On essaye d'être très responsable ici parce que là, on commence à avoir l'envie de peut-être acheter quelque chose à Vancouver. Puis là, ben, il faut économiser 18 milliards de dollars. OK. Le côté financier est terminé. La portion update, ben c'est ça, je vous ai dit qu'on avait tous nos hobbies en tournée, puis Philippe était tellement maniaque du sport que je me suis souvenue que moi aussi j'étais jadis une maniaque du sport avant d'être enceinte. J'ai toujours continué d'être active pendant mes grossesses, mais tu sais, avant je faisais du crossfit, puis j'étais instructeur de yoga, puis je faisais du vélo partout à Montréal, puis là ben c'était plus comme... de la natation, des choses un peu plus, tu sais, de workout un petit peu plus clément, ce qui est très bien quand on est enceinte, là. Mais l'allaitement avec Tabea, ça tire vers la fin. Je commence à retrouver vraiment mon corps actif. Donc, j'ai recommencé à prendre mon vélo pour aller au travail. Je vais 2-3 fois au yoga chaud par semaine. Puis ça, ben, ça veut dire un petit peu moins de temps de tricot, mais aussi c'est un peu mon problème avec le tricot, c'est que c'est tellement sédentaire. Puis je trouve ça super comme entre 10h puis 11h le soir avant de me coucher. Mais tu sais, j'aime ça continuer de penser que je vais être un petit peu plus active cette année maintenant que mon corps me le permet, puis que je suis... c'est ça. Fait que les updates sont terminés. Maintenant je vais plonger, parlant de sport, dans mes projets finis. Donc ça c'est un projet que j'ai rêvé depuis presque 9 mois. Si vous habitez au Québec, il est encore le temps de vous en faire un. Puis partout ailleurs, là, il sera prêt quand il sera prêt. Mais c'est vraiment là, un projet que j'ai eu un mini deuil quand il était terminé. Parce que ça prend pas tant de temps, là, c'est en bulky. Donc c'est le Étoile Ours de Paul TB. Et je l'ai fait dans la Nord, qui est une base 80... Excusez-moi, il y a du mohair, fait que là je fais juste comme attraper mon mohair. C'est de la laine, 80% laine d'Orsay, puis 20% nylon. J'étais comme surprise de savoir qu'il y avait 20% de nylon là-dedans. Parce que la taïga, dans le fond, est 100% d'Orsay. Mais bon, ça sent pas le plastique, là, c'est bien correct. Est vraiment le fun à travailler. Cette laine est peut-être à cause nylon un peu moins collante que la taïga de Bleu Poussière, mais j'aime les deux. Sur une île déserte, j'apporte les deux parce qu'on a besoin d'être chaud sur une île déserte. Bon, donc je pense que le coloris principal c'est Longmire. J'ai déjà oublié cette couleur, le rouge, moi c'est plus.
Il y a des petites bubbles. Ouais, moi, j'ai choisi de porter le col roulé parce que ça me tient bien au chaud. Puis, je sais pas, j'aime pas trop avoir une grosse patente comme ça. Fait que, mon choix. Puis, cette patente, c'est en pleurote qu'on aime à pu finir. Donc là, je couvre un petit peu mes bubbles. Là. Mais bon, il y a des bubbles. Des nopples. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai fait quand même beaucoup de modifications, puis j'ai pas encore noté sur ma fiche la Ravelry, mais au lieu d'avoir 16 répétitions, j'en ai 15 du motif. J'ai fait la plus petite taille. Quand je l'avais essayé là, dans un trunk show pour la maison tricotée, fibration. Je trouvais que il était un petit peu trop large, puis en plus, j'ai encore perdu du buste avec l'allaitement là, qui diminue. Fait que je voulais faire la plus petite, mais je voulais un peu moins d'aisance. Parce que qu'est-ce qui me dérange des fois dans mes chandails, c'est que je trouve que j'ai trop de fabric là, ici. Puis je trouve que ça me colle bien, mais c'est, tu sais, je peux faire plein de mouvements, puis l'empiècement ne remonte pas. Fait que c'est pas le fun. J'ai alterné mes écheveaux. Puis ça a fait, ben là sur la caméra c'est tout le temps un peu pas ce que c'est dans la vraie vie, mais je suis assez contente, surtout cette portion-là. Puis là après ça, au fil et à mesure que ça allait, on dirait que sur la caméra ça a créé des mini rayures, mais en vraie vie c'est parfait. Les manches je n'ai pas alterné, mais ce que j'avais fait c'est que, mettons il me restait une mini boulette que j'ai divisée en deux, fait que là j'ai fait cette portion-là, après ça, une autre boulette que j'ai divisée en deux, puis là, une nouvelle balle pour la fin des manches. Fait que, au moins, tu sais, il y avait comme un fil continu là, sur les deux bras. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ah oui, les manches. J'avais acheté des aiguilles, parce que j'avais pas d'aiguilles assez larges pour la bulky. Fait que j'en ai acheté un set d'aiguilles avec un câble fixe. Mais un câble là, énorme, parce que je voulais être capable de l'essayer. Puis après ça, ben, je me suis rendu compte que pour mes manches, mes mini Shiagu, j'avais pas des mini pour ça. Puis moi, je suis vraiment accro aux mini là, pour les manches. Fait que je me suis retrouvée un peu dans une situation de magic loop indésirable. Puis fait que à cause de ça, j'ai tricoté les manches médium avec la plus grande taille de mes Shiagu. Fait que oui, je suis devenue très aventurière dans mes tricots. Un peu de YOLO, mais tu sais, les manches, la première, je l'ai détricotée 3 fois. Fait que c'est ça. Je sais pas, est-ce que ça aurait été mieux de faire un Magic Loop avec les mêmes aiguilles puis pas le détricoter? Non, j'ai appris, j'ai découvert plein de choses, puis j'ai fait des calculs, puis le résultat là, c'est vraiment extraordinaire. Ce que je suis contente de ne pas l'avoir comme avec trop d'aisance, c'est que mes manteaux sont pas ils ont pas excessivement d'aisance. Donc mettons que j'ai un manteau de pluie pour mettre par-dessus à Vancouver avec mon petit vélo, ben tu sais ça là, un manteau comme ça avec juste un petit manteau de pluie par-dessus, un petit coupe-vent, c'est parfait pour la température actuelle. Mais tu sais, mon manteau c'est un Mountain Equipment Co-op extra small, fait que tu sais, je peux pas vraiment avoir comme une poche de patates en dessous. Voilà! Assez pour l'étoile ours. Vraiment, nous on est dans un cal informel. Urso 2020. Puis de toute façon, cal ou pas cal, c'est juste ça qu'on tricote. On se le cachera pas. Puis notre stache regorge des laines de pôle. Puis ça nous tente de les tricoter. Fait que, ouais, on est... Puis tu sais, c'est tout le temps des projets... les patrons de pôle aussi, c'est pas nécessairement obligé d'être agencé à des patrons de pôle, mais dans mon cas, je continue mon projet garde-robe pôle TB. Fait que, je me sens très chanceuse d'avoir autant de pièces, ben soit faites par moi avec des tissus de Listellor, ou des chandails que j'ai testés pour elle, ou comme... dans ce cas-ci, l'étoile ours, des vêtements de Noémia, qui est dans des tissus avec des illustrations imprimées sur tissu de pôle. Donc, ma garde-robe, là, s'en vient très, très, très bien. Moi,
C'est pour ça que je suis pas pressée là, de me faire des vêtements. Je veux juste en profiter. Je suis comme dans un sweet spot là, de slow fashion. Fait que c'est bien. Alors, je vais continuer avec les tests. C'est celui-là, vous vous en souvenez peut-être. J'en avais parlé la dernière fois que j'allais les faire. J'avais deux tests de bas en janvier. Ceux-ci sont les High Desert Island Socks de Lindsay Fowler. C'est Lost and Found. Puis, c'est pas, je les ai fait pour mon conjoint. Puis, la seule autre résolution tricot de 2020 pour moi, c'était de tricoter moins et de tricoter plus avec des restants. Fait que ce projet-là, c'est vraiment idéal pour tous ceux et celles qui ont la même résolution. Celui-ci, cette laine-là, c'est la base de bas de Hedge of Fiber. Puis c'est la couleur pollen. J'avais fait mon Wool and Honey dans cette laine-là. Puis les deux contrastants, c'est des contrastants que j'ai utilisés de Hey Sister Yarn Co. dans un kit de mini. Puis je les avais utilisés pour mes bas First Snow de Tabby Gandhi. C'était le Ugly Sweater Club whatever 2019 que j'ai fait. D'ailleurs, Geneviève, est-ce que tu les as terminés finalement? Les as-tu froggés? T'as-tu recommencé? Qu'est-ce qui arrive là? Moi, je veux savoir. Puis c'est ça. Enfin, moi, il me restait quelques rangs la dernière fois. Je les ai terminés, je les ai portés. Ils sont déjà bien usés. Bien aimés. Fait que, ouais, c'est vraiment... C'était un cadeau de Saint-Valentin pour mon chum. Puis là, vous dites, y a-tu un autre bas en arrière? Oui, il y en a un que je cache un peu. Ouh! Parce que, dans le fond, pour la taille médium homme, le patron, c'est les joies de tester. Patron n'anticipait pas nécessairement d'entamer un deuxième écheveau, puis moi il m'en restait juste un de 99 grammes quand j'ai... Fait que là, heureusement, Shani m'avait envoyé un mini avec un achat que j'avais fait à l'automne, un mini de couleur citrouille. Fait que vous voyez, je l'ai tout passé là-dedans. Puis ben là, c'est sûr qu'avec le soleil, puis la lumière, ça fait vraiment comme... Pareil, pas pareil, mais porter sur ses petits pieds, là, c'est très bien. Puis en plus, ça, c'est la partie qui est couverte par les bottes, là. Ils les aiment tellement. Puis, tu sais, c'est deux fils de fingering doublés. Fait que ça fait comme un bas en worsted, dans le fond. C'est super rapide, là, à tricoter. Moi, je l'ai tricoté dans ma première tournée en janvier. Sont déjà bien portés, j'ai bien sûr donné avant la Saint-Valentin. Who are you kidding? Voilà. Bye bye. Deuxième test pour l'Urk de Fiber Tales. Ce sont des bas en urso mouton. C'était un kit qu'elle avait pour la petite laine. Puis que j'avais acheté là, en ligne de Vancouver parce que j'avais la FOMO. Ils ont tombé de mes aiguilles vendredi, puis samedi, je les ai même pas bloqués, puis je les ai mis. Fait que je les ai mis tout le week-end, je suis allée faire de la randonnée avec, du vélo, puis voilà, ils sont pleins de poils, pleins de... Ils sont pas propres, mais c'est des bas blancs, puis vous allez voir ça. Donc je les montre de plus près, pas encore bloqués, s'il vous plaît. Talon œil de perdrix, une belle petite tresse. Est-ce que c'est une tresse lettonne? Lateral braid en anglais. Lateral braid. C'était beau, hein? Puis ça, c'est tout le temps comme une maille d'un coloris, puis l'autre d'un autre. Donc c'est quand même très le fun à faire. Bon, encore les joies là, du test. Le premier bas, vous allez voir, il y a moins de diminution. Que le deuxième. Ça, c'est le premier. Mais ils sont les deux de la même taille, là. Ça change pas grand-chose. C'est juste qu'il est un petit peu plus dur à rentrer, mais celui-là, je l'ai bloqué, en fait. Celui-là, il est bloqué. Ouais.
Fait que le patron, là, moi j'étais dans la grandeur qui était la grandeur problématique là, pour le, continuer la charte dans les, dans les diminutions ici. Mais on a travaillé, on était deux à faire celui-là, puis on s'est échangé là, tout plein de commentaires sur le Google Doc, puis on a réussi là, à trouver quelque chose qui marchait. Fait que c'était vraiment satisfaisant là, à la fin quand on a pu résoudre l'énigme. Donc, c'est encore une fois Urso Mouton. Un patron, ça s'appelle les Lopé, les bas Lopé de l'Urque de Firebird Hills, qui est vraiment en feu là, cette année. Est vraiment elle regorge de créativité puis de productivité, fait que suivez son Instagram si c'est pas déjà fait, puis sa chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, excusez, j'ai comme une facture qui me rappelle qu'il faut que je la paye, c'est pour ça que je la laisse là. Donc, j'ai une petite tuque que j'ai donnée à mon fils, parce que moi ça me fait un casse de bain. J'aime pas cette coupe pour moi, mais écoutez, c'est probablement parce que j'ai les cheveux courts. Tu sais, si j'avais des beaux cheveux de sirène, ça serait vraiment beau, comme Camille, mais j'ai pas des cheveux de sirène, j'ai des petits cheveux des années 20. Fait que voilà, c'est la Clovis de Camille Déco, Camille Decoteau. C'est avec un fingering doublé de la bien-aimée Merino Singles, coloris damasque. Même coloris de la base de bas que Geneviève a fait son cardigan. Puis ça se tricote en 2 minutes 35 secondes, sérieusement. Vous irez voir ma page Ravelry pour voir. Je me suis même pas dépêchée, ça m'a pris 3 jours. Vraiment le fun. On aime ça, des projets comme ça. Puis, tu sais, dans les 3 derniers projets que je viens de vous montrer, là, il y a quand même. En fait, sur les 4 projets, il y en a 2 que c'est des stash busters, puis 2 que c'est des. Bank account, base 2. Pas tant que ça. Fait que c'est ça, je l'ai donné à mon fils. Puis l'objectif de le donner à mon fils, c'est que après ça, ça va faire à ma fille plus tard. Fait qu'il était super content, là. Il l'a mis hier, on est allé à Stanley Park, puis il se promenait partout avec ça, puis il était bien heureux. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah, ça me fait penser, les tricots de bébé, ça me fait penser à l'aveu de Geneviève. C'est drôle, à un moment donné, je pense que tu m'avais comme dit que t'avais quelque chose pour ta BA. Puis là, quand t'es venue la rencontrer pour la première fois, vraiment, tu l'avais pas. Fait que là, tu sais, je me suis dit, bon, je vais pas faire un suivi, là, c'est pas poli, tu sais. Fait que là, je comprends maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Puis peut-être que quand j'étais enceinte de Lucie, j'avais pas encore commencé à tricoter. Mais probablement que si j'avais... si j'avais commencé à tricoter avant d'avoir eu mon premier bébé, j'aurais eu probablement les mêmes réactions similaires à Geneviève avec les vêtements de bébé en général, surtout ceux faits main. Puis c'est drôle parce qu'avec Tabea, tu sais, j'ai tricoté le May pullover qui a fait quelques mois seulement. Puis c'était pour sa fête, puis je voulais qu'il fasse comme sur le moment, mais vu qu'il y a du jacquard partout. T'sais, c'est pas un chandail qui peut vraiment comme s'étirer là, avec le temps. Fait que déjà là, à Noël, t'sais, j'y ai donné en fin août, puis à Noël, il était déjà à une petite cousine. Puis j'étais surprise à quel point que j'étais comme « Ah oui, tiens! » Je l'avais emballé, là, t'sais, on avait un Noël zéro déchet. Puis t'sais, ça me faisait absolument rien de le voir partir, puis je me suis dit « Ça se peut qu'il revienne trouver, ça se peut qu'il revienne pas, ça se peut... » Mon souvenir de elle comme... dans la nature, à Vancouver, avec son gilet, c'est ça que j'ai besoin. On dirait que j'ai comme pas besoin d'avoir l'objet. Tellement minimaliste, right? Mais je comprends que avant, tu sais, Lucien, il y avait des gens, mettons, qui nous donnaient des super beaux morceaux faits main, qui avaient ramené d'Italie, mettons, là, puis j'aurais trouvé ça dur, tu sais, de m'imaginer donner ces vêtements-là, mais là, tu vois... Il est déjà redonné à la personne qui nous l'avait offert parce qu'elle a eu un bébé. Fait que s'il y a quelque chose de plus éphémère que des vêtements de bébé dans la vie, là, dites-moi là, parce que je sais pas c'est quoi. Fait qu'aucun grudge avec ton aveu, Geneviève, je te comprends. Puis
Mais là, avoir su tout ça, t'aurais pu me le donner, puis je te l'aurais redonné, tu vois. Mais non, c'est pas grave. Profites-en bien avec ton petit pou, tu prendras plein de photos, puis il va être tellement beau dans tous ces beaux tricots. Moi, je vais vous parler de deux projets en cours. Quand j'ai terminé 2019, j'avais Orgin sur mes aiguilles. Ça, c'était hot. Très hot. Et j'avais reçu une super belle commande des arts textiles du Témiscouata. Une turbo rayante de solstice d'hiver avec un mini contrastant. Fait que moi, les petits bas du réveillon, je sais pas si les gens continuent à faire ça, mais moi je continue seule dans mon coin, comme un petit reject. Puis je me suis partie un bas, le 31. Vous avez trouvé que ça donnait de l'air pour des jambes de quelqu'un qui devrait manger un peu plus, mais c'est parce que je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, là. J'ai juste fait des côtes de deux. Aïe aïe. Ah, j'ai comme oublié ici de faire 3-1, 3-1, 3-1. Fait que good luck to me, good luck à mes poignets. Mais à date, ça s'est fait en le temps de le dire, là. Puis tu sais, on s'entend-tu que c'est trop beau. Hey, ça va bien aller avec ça. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? C'est juste mon patron personnel, sauf que je me suis fourrée même dans mon propre patron. Mais ça va être le fun d'avoir une paire de bas qui est vraiment snug à cause des côtes de deux partout, là. Fait que un accident heureux. Ça, est-ce que je suis pressée de tricoter ça? Non, pas du tout. Pas pressée. J'ai quand même beaucoup de bas là, maintenant. Mais ce que je me disais peut-être, c'est que je devrais finir. Puis après ça, comme en décembre prochain, faire le deuxième. Mais là, peut-être que j'ai un grand risque d'avoir une tension différente. Donc, peut-être que je ferai pas ça. Peut-être qu'avec les restants, je pourrais faire une petite paire en décembre prochain, mes enfants. Ça serait être une très bonne mère. Prochain whip. Ah oui, c'est la base là. LATT. Base BFL. Base de bas de Christine. J'ai réussi. Ok. Vous vous souvenez de cette laine 100% mérino non superwash de A Wooden Nest? Coloris café. Coloris. Fait que j'ai fait un achat aussi. Parce que je voulais un mohair pour les mariés. C'est le coloris Rye de Urso Lune. Que c'est beau! Aïe aïe! Puis j'ai commencé, j'ai terminé le col du Paloma. C'est le nouveau chandail de Espace Tricot. Et je me suis dit qu'en tant que professeure d'université, j'étais due pour un col roulé brun. Trouvez pas? Moi, je trouve. Je fais la première taille. À date, tout se passe bien. J'ai commencé hier dans l'auto en m'en allant à Stanley Park. Fait que c'est ça. Je suis en amour avec ce projet. J'ai hâte de le porter, mais pas pressé. Fait que avec ça, puis mes bas. Je trouve que ça se passe bien. Puis, j'ai vraiment le goût de me faire une tuque dans ce restant. En fait, c'est même pas un restant, c'est que quand j'ai fait l'Alaska de Camille Descoteaux, je l'avais fait en eddy. Puis, normalement, j'avais acheté de pure laine, de la eddy, pour me faire un Tecumseh qui s'est jamais réalisé. Donc, ça voulait dire que j'avais une grande quantité de couleurs principales et de couleurs contrastantes, le bouteille à la mer et apéro. Puis là, ben dans le fond, comme j'avais fait l'Alaska, il me restait une balle de contrastante. Puis tout ce que j'ai entamé là-dessus, c'est que j'ai fait mon échantillon avec apéro. Puis la main color que je me souviens même plus c'est quoi.
Délicatesse! Yes! Ah. Fait que j'avais fait ça, puis je trouvais que c'était un peu trop in your face. Moi, j'aime beaucoup... dit-elle. Aïe aïe. J'aime beaucoup les jacquards à faible contraste. Et à très haut contraste, mais à ce moment-là, ça me parlait pas. Fait que, vous voyez comment je suis très polyvalente. Fait que ça va me faire, tu sais, là, la tuque avec des honeycombs. Je vais faire ça. OK? Fait que là, j'ai mes deux whips, un dream knitting, et j'ai un autre dream knitting. Ce sera peut-être ça l'ordre des couleurs. Ouais. Parce que Andrea Marie vient de sortir un... Ça ou. Ouais, peut-être. Oui. Je sais pas encore. Non, mais c'est pas important. Tout ce que je veux, c'est que ces deux-là soient à côté. Vous voyez? Ils s'aiment. C'est de la bleue poussée en taïga. Dans le fond, ça, c'est un écheveau entier. Restant de Nurtured, d'Andrea Marie. Restant de mon Into the Woods Snood, Purple Rain. Gris de lin. Restant de mon gros Chris de char. Comment il s'appelle, non? Je m'en souviens plus. Winter Honey. Aïe, il y a la mémoire aujourd'hui, ça se passe très bien. Teint avec de l'érable. C'était un one-off. Il n'y en a plus jamais eu. Je pense. Ça, c'est blush. Ces deux-là ensemble, Shani même, elle avait fait une photo avec les deux, puis elle était comme faut que ça soit ensemble, puis je suis complètement d'accord. Donc le c'est un col de Andrea Marie, puis c'est pas Moonwalk là, mais c'est Moon quelque chose col. Fait que allez voir Avery, sortez de sous votre roche, puis allez voir ce beau patron. Moi, il est acheté, puis je pars ça à soir. Je suis dans les achats maintenant. Boum! Aïe aïe! C'est Bocage. Bocage? Oui, la compagnie Bocage Leather. C'est Alex Bocage qui fabrique ces magnifiques pochettes faites main en cuir. Véritable. Ça sent là, tellement bon. Puis c'est pour remplacer les étuis d'aiguilles dégueulasses. Des mini Chiago. Donc moi, je mets à l'intérieur mes câbles, mes mini. Je pense que ça s'appelle le Love Note, cette petite pochette. Et je l'ai dans un coloris un petit peu plus foncé. Et j'ai même des fixes, des mini fixes que je laisse ici. Donc ça contient vraiment bien toutes mes mini. Le plus petit set que je laisse dans mon cuir plus foncé, puis le plus gros set en cuir plus pâle. Je suis vraiment... tu sais, quand on travaille dans le milieu des arts, puis qu'on passe notre journée à entendre de la belle musique, puis là, le soir, on fait des beaux tricots, puis là, qu'on voit ces choses hideuses de Chiago, il faut se faire sauver par quelqu'un comme Alex dans l'industrie pour garder un peu de beauté pour finir la journée, ok? Alors maintenant, je vous montre mes achats laineux des trois derniers mois parce que les dernières fois, on vous allait pas montrer. Ça c'était... Je trouve que la couleur, c'est exactement ça. C'est la même base que Geneviève, trois écheveaux de Plum Sock, des arts textiles du Témiscouata. Est-ce que c'est dans mes couleurs? Oui! Merci de penser en moi lorsque vous faites si belles choses. J'ai vraiment plusieurs projets en tête, bien évidemment, mais moi je suis de l'école Hachette,
bonne quantité pour un chandail et laisse dormir pour t'assurer que tu fais vraiment le projet parfait. Tu sais, comme ça, je l'ai eu pendant 9 mois. Même chose avec la laine de Wooden Nest. J'aime ça comme prendre mon temps de vraiment choisir parce que aussi, au départ, des fois j'ai une idée, c'est pour le patron que je vais faire avec la laine achetée, mais entre-temps, il y a d'autres choses qui sortent, fait que ça vaut la peine des fois d'attendre un peu. Faut pas se sentir coupable que la laine dort. La laine dort pas. La laine, c'est un investissement, ok? Regardez ça. C'est ça que Geneviève voulait vous dire, là, les petits speckles mauves, là. Ça, d'après moi, c'est Paul qui a fait ça. C'est trop beau. J'ai aimé savoir un peu plus sur la collaboration chemin parce que je savais pas c'était quoi le procédé. Je savais pas c'était quoi la collaboration. Ce que j'avais compris, c'était qu'il y avait des playlists communes qui écoutaient pendant leur séance de teinture. Fait que ça, je sais pas si Geneviève l'a mentionné. Mais je savais pas que Christine faisait un premier bain puis que Paul ajoutait la finition par-dessus. Fait que je trouve ça vraiment tellement beau. Sérieusement, Christine, je suis tombée en amour avec tes laines dès mon caston là, du temps des fêtes là, avec ta laine de bas. Je trouve que c'est vraiment ton image, en tout cas ton image en ligne. C'est si beau, je suis vraiment contente de tricoter ta laine. Fait que ça va peut-être attendre à l'automne, puis à ce moment-là, j'aurai vraiment le projet parfait pour ça. Mon chum m'a acheté de la Mondime collaboration avec la bien-aimée. C'est le coloris H et j'en ai 3 écheveaux. Je pensais à un cardigan, peut-être le bohème de Marie-Christine Levin. Quelque chose qui a beaucoup de structure. C'est ça. Fait que Amélie de Emilia Phénomène m'a laissé croire qu'il y a beaucoup de pooling dans ses laines. Puis que même quand on alterne les écheveaux, ça fait encore pire. Ça peut faire des rayures. Donc, elle a le même destaché sa laine après l'avoir bobiné puis parti un projet. Fait que j'étais un peu triste de ça, mais ce que je me suis dit, c'est que peut-être que la solution pour ça, ce serait de faire un châle, tout simplement. Ou un châle même en jacquard. Puis, si je fais un jacquard, ce serait avec le coloris quail. Donc c'est gris avec un petit peu de orange brûlé. Le Hurquet, elle a un design de châle en ce moment en urso mouton. Donc peut-être que ce serait pour moi quand ça va sortir. Je pense que ça va sortir à l'hiver prochain. Fait que ça me fait plaisir si ça s'investit jusqu'à là. Ah oui, dans ma boîte de chemin, Christine avait glissé 2 surprises. Parce que, dans le fond, l'envoi n'a pas fonctionné à Vancouver. En tout cas, c'est vraiment un service à la clientèle merveilleux. Au deuxième envoi, tout était parfait. Mais c'est ça, il y avait des surprises. Fait que c'est 100% BFL non traité, cardé. Est-ce qu'on appelle ça de la toison? Peut-être. Puis avec Héritage, couleur Skinny Fist. Ce que j'aimerais faire avec ça, c'est des mitaines avec. Tu sais, je pense qu'on peut comme préparer des petits bouts de laine pour se faire un gros bol là, avec juste comme la bonne taille. Puis insérer là, avec un petit motif très simple de jacquard, genre juste comme des cœurs, là, comme ça environ, là, dans des mitaines. Fait que je sais que Mélina avait fait des mitaines dans ce genre-là. Fait que peut-être à l'hiver prochain, je me gâterai avec ça, mais c'est encore une fois vraiment dans mes couleurs. Puis ça, c'est mon cadeau de Noël de ma mère.
C'est deux échevaux de BFL Gotland 4 brins. 75% BFL, 25% Gotland. C'est le coloris One of a Kind numéro 1. Ça, peut-être un t-shirt ou peut-être un châle de Bee Mandarins. À voir. Et un écheveau d'Ike. Dans Dial, c'est Faded Heather, puis c'est le BFL Masham d'Ika. Peut-être pour un Sky Hill hat. À voir. Fait que ça, c'est des beaux achats qui ont contribué à mon stash dans les 3 derniers mois. Fait que j'ai quand même tricoté beaucoup les 3 derniers mois, puis là je pense que je suis revenue pas mal à mon tas de laine initiale. Fait que beaucoup de beaux projets à venir, j'en ai montré quelques-uns, puis Geneviève c'est vraiment très beau de voir tout ce qui était fait pour ton petit bébé. Je suis contente que la bien-aimée Merino Singles a bien servi dans ton châle. Ton manteau me fait penser à celui que je t'avais montré là, de Rad Ourani que je m'étais acheté il y a 2 ans. Puis, j'aime vraiment beaucoup cette coupe-là, un peu plus unisexe, je dirais. Qu'est-ce que... Ah oui, la Oslo. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que je veux? T'as un style plus romantique, puis la Oslo, c'est peut-être moins romantique, t'sais, c'est peut-être un petit peu plus constructiviste. Fait que elle te va bien, mais je comprends que c'est peut-être plus difficile pour toi de l'intégrer dans tes choses. La Kobuk, ça me semble un très bon choix pour toi. Mais c'est vrai que la couleur bleue de Sweet Georgia. C'est vraiment exceptionnel comme coloris, puis c'est pas mal dans tes couleurs. Fait que prends bien soin de toi, Geneviève. Deux semaines, j'essaie de me souvenir qu'est-ce que je faisais à ce temps-ci là, de ta grossesse, puis j'avais aussi de la misère à respirer. Je me souviens que dans les deux cas avec Lucien, j'avais un concert avec Charles Richard Hamelin comme 2 semaines avant. Puis pendant que je jouais au concert, tu sais, j'avais comme des méga coups là, dans la cage thoracique là, de pieds puis de coudes, puis tu sais, il y avait un mouvement super lent là, d'une pièce de Schumann qui est justement comme une berceuse, puis là mon bébé il était comme arrête de jouer si lentement, je veux que ça joue vite. Fait que ça c'était comme un souvenir qui m'est revenu. Puis avec ta BA 2 semaines avant, jour pour jour là, je faisais mon récital solo début à la salle des arts, puis j'étais tellement grosse. À un moment donné, je pense que je me suis même accrochée dans ma bédaine comme à la fin de la pièce là, tu sais, j'avais comme fait un ricochet de bédaine, puis ouais. Puis pourtant à tabia j'étais comme plus petite qu'avec Lucien, mais c'est ça, il fallait que je joue assis ce concert, je me sentais un petit peu fatiguée, mais bon, je pense pas que personne m'en voulait là. Femme enceinte qui est sur le bord d'exploser, on comprend ça. Fait que prends soin de toi, t'as des super bons choix de tricot moins sportifs là, pour ton post-natal. Je pense que c'est vraiment des bons choix. Puis profite bien de ces doux moments de rencontre. Moi, malheureusement, j'étais supposée venir en mars pour des concerts, puis j'aurais aimé rencontrer le bébé de Geneviève. Mais j'ai eu une belle surprise d'être nominée au Juno cette année, donc j'ai dû annuler des concerts, puis là je vais jouer là-bas, donc ça change un petit peu mes plans. Mais je vais être de retour en mai. Un petit peu en avril, je fais un petit saut à Montréal, mais je pense pas que je vais avoir ben le temps de faire même un petit pipi. Fait que ça va aller je pense en mai. Fait que j'ai hâte de vous voir tous les trois. Toute collée, toute emmaillotée de tricot. Fait que salut à tous, à toutes. Si vous voulez participer à notre cale, c'est juste d'utiliser là, le
Urso 2020. Hashtag Urso 2020. C'est pour créer un. Je sais pas, c'est comme un merci à Paul de sa créativité puis d'alimenter nos aiguilles puis nos projets tricot. Ok! Salut les amis! Hey, re-salut! J'ai oublié de vous dire que j'ai parti mon blog Viola Borealis. Ça peut être trouvé sur violaborealis.com ou sur mon site internet marinathibault.com, il y a un onglet journal. Et c'est le projet que je vous parlais là, qui était en processus depuis comme cet été. J'y ai glissé un premier article qui est sur les bénéfices de la méditation chez les musiciens. Mais bien sûr, comme chez tous les êtres humains, là, donc je pense que chacun peut y trouver son inspiration. Puis dans le moment, je travaille sur un article sur des principes de psychologie sportive appliqués sur les musiciens élites. Donc oui, ça va être un blog un peu éclectique. Comme je suis doctorante puis que je travaille maintenant dans le milieu académique, j'essaie que la recherche, en fait, c'est très important pour moi que la recherche soit scientifique, mais avec un vocabulaire qui est grand public. C'est bien sûr adressé surtout aux musiciens, mais comme il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à mon travail, à ma recherche artistique et à ma recherche doctorale, je pensais vous le partager ici. Puis je vois qu'il y a beaucoup de gens déjà là qui le savent parce que j'ai mis l'illustration que Paul a fait sur mon Instagram, donc merci pour vos bons mots. Puis il y aura peut-être un article informel avec Miss Juju qui va se glisser dans les prochaines semaines, j'espère. Je suis actuellement dans ma semaine de lecture, fait que là j'essaie de projeter les prochains mois. Je dois apprendre comme tout mon répertoire là, pour l'été. Pas juste cette semaine, là, mais c'est comme cette semaine que j'enligne mes skis un peu, là, fait que je vais faire énormément de lectures là, sur la psychologie sportive, puis je commence à faire mon squelette d'articles qui va avoir comme pas mal 25 pages, mais je vais le diviser en trois parties sur mon blog, une partie théorie, une partie recherche, puis une partie appliquée. Fait que j'espère que ça sera quand même intéressant pour vous, malgré que c'est pas juste sur tricot, couture, et etc. Comme j'ai beaucoup de choses qui me passionnent puis qui me nourrit, je trouve ça le fun d'avoir une plateforme là, pour parler de ça. Fait que voilà, je vous laisse regarder ça, puis si vous voulez me trouver sur Instagram, c'est Marina Thibault Viola, et Ravelry Marina Thibault. Puis, au plaisir d'entendre ce que vous pensez de Viola Borealis. Ciao!